Docteur, est-ce que vous avez bien dormi hier soir? Très bien, sauf qu'il faisait un petit peu chaud quand même, donc j'ai dû au moins me réveiller une fois. Le record, c'est 11 jours. Là, on ne sait pas, parce qu'évidemment, on ne pousse pas la situation jusqu'à l'extrême. Chez les souris, par exemple, elles décèdent au bout de 3 semaines. C'est la plainte, tout simplement, de ne pas dormir, c'est-à-dire soit de ne pas s'endormir, ou de se réveiller dans la nuit, ou bien de se réveiller trop tôt le matin. Ah, un certain nombre. Peut-être pas des insomnies, mais des couchers tardifs ou des levées très tôt, ça fait un certain nombre de nuits, oui. Sans compter la semaine qu'on a passée ensemble, les 3 auteurs, où là, on a assez peu dormi. Parce qu'il y a un vrai manque, une méconnaissance aussi au niveau du sommeil chez les médecins. Il y a vraiment besoin de leur apporter une aide à la fois au diagnostic et à la prise en charge des patients insomniaques. On était 3 coordinateurs et 3 auteurs principaux. Le sommeil, c'est par essence multidisciplinaire, donc il y a aussi besoin d'une richesse qui est apportée par d'autres spécialistes. Il fait 3 boîtes d'un somnifère lambda. Un sonologiste serait super, mais déjà si on a une spécialité d'hypnologie, ce qui va être quand même le cas d'ici 2 ans, puisqu'il y aura une FST sommeil, ce sera déjà très bien. Parce qu'Elsevier Masson est vraiment la référence dans le domaine de la transmission, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan de la formation. Le sommeil faisant partie de la vie, les médecines alternatives, elles vont de soi, parce que les techniques sont avant tout des thérapies comportementales et cognitives, mais aussi elles vont faire appel à d'autres approches, comme par exemple la méditation, la relaxation, l'utilisation à bon escient de la lumière, l'utilisation du sport. Donc on est vraiment dans un domaine où la solution n'est pas de première intention médicamenteuse.